en Soudanie, promoteur d'un projet agroalimentaire. La boîte en question, c'est Sotrapa, société de transformation des matières agricoles, c'est-à-dire le café et le cacao. Le cacao, nous le vendons en poudre et le café, nous le vendons sous forme de café moulu. Ce matin, je suis là pour vous parler de la fièvre à virus Ebola, qui est une maladie très grave. Il n'y a pas encore de remède. Il n'y a que les vaccins tests. Les États-Unis en ont fait, le Canada et également aussi la Chine qui en a proposé. Mais rien n'est encore confirmé. Et la seule attitude que nous pouvons tenir ici et maintenant, c'est de suivre les instructions de nos autorités sanitaires. Et éviter la consommation d'animaux de brousse, éviter de manipuler les corps et se laver les mains et se tenir à distance. C'est-à-dire ne pas se saluer, serrer les mains. Donc je pense que ça ce n'est pas trop demandé. Voilà, donc je dis Ebola, ensemble on peut l'arrêter. Et cela ne tient qu'à des petites choses, seulement l'attitude, le comportement. Je vous remercie.